Eh bien, salut tout le monde, c'est XVSK, et aujourd'hui on se retrouve une fois pour du Assassin's Creed 4. Et donc, on s'était laissé, je pense, au passage, parce qu'on devait attaquer un champ. Une plantation, oui c'est ça, c'est une plantation. Donc on va y aller, et à l'heure de croisière. Ta 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 ta. Bon, on va y aller, sous l'océan. Ah! Attendez! Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une chasse à la baleine? Ah, mais à mon avis, je suis pas encore assez avancé en scénario pour pouvoir le faire. Capitaine, il y a des créatures à harponner ici! Allez, on va harponner alors! Allez, en chasse! En chasse, ma biche! Oh, ce beau gosse! Ah, avec le. Oula, il a un corps wheelé là quand même. Hein. Ah, un petit requin. Et bim! Le lâchez pas! La mer devient yeah. Rouge! Joli coup, capitaine! Je vois plus! Allez là! Yeah, il est presque mort! Il est temps d'en finir, capitaine! Oh merde! On l'a perdu! Il est où? Il approche par bâbord avant! Et bim! Facile! C'est un vrai monstre! On a fait une belle capture aujourd'hui! Vous vous rappelez quand Peta avait dit ouais, c'est dégueulasse! Ça devrait pas exister de pouvoir faire des trucs comme ça dans un jeu vidéo. Oh, ça m'a fait. Ah, ces gens-là, ils me vendent trop du rêve hein, chez PETA, franchement. Les mecs, ils comprennent pas que c'est un jeu vidéo et que c'est pas parce que vas-y, on va chater le requin dans un jeu vidéo qu'on va avoir envie de le faire en vrai. Hein. C'est comme si je jouais à GTA, que je baisse des prostituées et que je vais le faire en vrai. Je pourrais, mais non. J'ai pas envie. Pourquoi dépenser son argent en ce genre de choses, sérieusement? Pourquoi? Je peux bien croire qu'on peut être en manque de cul, mais là, faut pas abuser. Ouais. Oh! C'est quoi qui arrive? Ah non, j'ai cru que c'était... On est en pleine tempête, là. Et bien sûr, quand la mer se presse, il y a une musique épique. On tourne! On glisse! Cargué! Fermez la grand voile! Envoyez la grand voile! Balancez tout, mes amis! Oh là là, putain, quand la mer se déchaîne, c'est pas joli à voir! Bon, voilà, on arrive à destination. Allez! Capitaine à la mer! D'ailleurs, on m'avait dit, ouais, avec Kid, enfin, pas avec Kid, The Kid a dit que c'était une femme, mais il me semble que. Quand j'ai avancé un peu plus loin, et il me semble qu'ils disent que c'est un homme. Pourtant, je trouve qu'il a une voix de fille. Donc, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Donc, on va peut-être le savoir maintenant. Bon, dernière nouvelle, je crois que c'était un homme. Hein. Donc, on va vérifier. On va aller le voir. Je veux dire, aller le voir. Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais. Déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Dis... J'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordants de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non.
Cette plantation appartient bien à Beckford ? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Vous voyez, là, il l'a dit, c'était un homme. Dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Il ne néglige pas la qualité. C'est de la bonne canne et de la bonne mélasse. Je vous l'accorde. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Je vous l'avais dit que c'était un homme. Parce que je peux aller voir avec ces messieurs-là. Je vois que vous ne manquez pas de discernement. Il va falloir suivre le bon monsieur, là. Allez. Nothing, I assure you. Though, a week underway, out popped the most exemplary Frenchman. Oh, dear. Would not hear of relinquishing the ship's galley till the last bottle was dry. Excusez-moi, je comprends pas ce que vous dites. Exemplary, indeed. Avec votre superbe accent anglais, là. Yes, just arrived from... Yes! I love the tea! But girls want the D. Avec de merde. Eh, je suis discret! Il y a juste ma tête et la moitié de mon corps qui dépasse, mais je suis discret! Yeah! Ah là, ça te la guerre. Avec moi, nous en avons fini ici. Hi, sir! Hi, sir! Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. Vite, retournez à la bateau. Est-ce que ça a été débugué ça? Ah ouais, ça a été débugué. Bizarrement, la première fois quand j'avais fait ça, il y avait eu un méchant bug, c'est-à-dire que je pouvais pas monter au-dessus, j'ai dû nager carrément. Attention, reste à distance de la scie. Oui, mais écoute, mec! Si je peux pas déjà pas aller sur mon bateau, casse-toi, à dévoiler. Captain, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. Déjà vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, visionnaire! Ton idée me plaît. Je disais bien que c'était le Manowar qui était juste à côté. Bon, vous allez voir de l'infiltration version bateau. Je les vois aussi. Ouh, 5 de bois. Pas mal. Allez, on va le suivre. Espérant. Ouh là 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 là. On va se faire spotter. Ah merde, il va me voir lui. Il y a de fortes chances qu'il va me voir. Ça a l'air ok. Je suis passé entre les mailles du filet. C'est ça le plus dur dans ce jeu, c'est de passer entre les mailles du filet. Oh, il y en a un qui va me spotter. Non, ça va. On va essayer de... Mais rapprochez-vous de la cible, mais c'est ce que j'essaie de faire du con là. Je suis déjà à pleine vitesse en plus, ça le pire. Pas simple, hein. Mais... Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les boudir. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie?
On y fait bouillir de l'eau ou autre chose? Des jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui vont sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre pour séparer l'eau du sucre. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Hein. Ah, on arrivait à la plantation. Qui surveille la plantation pour nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le jackdaw. Plonge et nage à terre. C'est possible de nager à terre? Hé, ils vont me tuer! RIP Edward Kenway tué par son propre bateau. On va être dépêché. J'espère que ça va être un peu chaud, cacahuète. On va pouvoir y arriver en 30 secondes. Voilà. Que s'est-il passé ici? À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Ils vous ont profité pour vous saouler durant le service? Ok. Comment est-ce que j'ai attiré l'attention? Ah ben oui, en tuant le garde. Vous profitez pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates. Si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur, je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. Ah ben oui, on va l'entendre, là. Merde. Je suis pas là. J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? Y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez me chercher la clé de l'entrepôt! Passe la clé par tous les diables! Que quelqu'un m'apporte cette clé! Je vais tenter de tuer tout le monde, moi. Le v'là. Ouais, il y avait quelqu'un là-bas. Ah ben non, il n'y avait personne. Ah, il arrive, il arrive. Ah!
Non, tu me vois plus. Ah, si, il me voit. Voilà, terminé. Et voilà, facile. Facile, n'est-ce pas? Il est où d'ailleurs? Je suis dangereux. Allez hop! Qu'est-ce qu'on a ici? Quoi? Get the intruders, ta gueule. Allez, je sabote. Voilà. C'est saboté. Attendez un instant. Si je fais ça, que je fais ça. Voilà. Bon allez, de toute façon on a fini là, si on veut on peut se barrer. On peut tuer les gardes au passage. Ah! Allez, c'est l'alarme, bande de bitch. Hop. Allez, t'es arrivé de renfort. Genre j'ai peur. Qu'est-ce que... Trop peur. Quelqu'un a survécu? Mais saute! Ouais, un petit coffre ici. Mais putain, mais y'a des gardes partout quoi, ils ont des visions sniper ou quoi? Bon allez, cassons-nous. Salut. Putain, ce mode aveugle. Hallucinant. J'ai même plus peur où je dois aller. Ah il faut retourner au bateau. Je suis anonyme, tu me racontes. Allez, retournons en bateau. Maintenant qu'on a bien pillé, allons nous reposer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça va, ça m'a arrêté ici de toute façon. Faut juste se barrer maintenant. Quoi, c'est lumière au loin? Ah merde, il va y avoir une guerre là. On va essayer de pas y prendre part. Ah mon dieu! C'est quand même mou, hein, les passages en bateau. Genre, allez hop! On se dirige droit vers la terre!
Allez, capitaine à la mer. Capitaine à la mer, ouais ouais. Ah là là. Vivement que je puisse un peu améliorer. Lagon salé. Waouh. Salut. À notre République pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste... on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kenway. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête ? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Jackdaw a fière allure. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte? 1000 fois plus. La mer a englouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai besoin de prendre des risques. Face au navire marchand. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Allez, on va partir à l'assaut d'un nouveau bateau. Avec une mer, ma foi, à s'agiter. Attention, capitaine, nos ennemis patrouillent ces eaux. Ouais, sachant qu'on va devoir faire de l'escorte. Enfin, pas de l'escorte, mais de... Faut que je trouve un gros bateau. Un gros bateau. Ralentis l'allure. On ne sait pas sur quoi on peut tomber ici. Rien à foutre, je ne ralentirai pas l'allure. Arrêtez de pleurnicher, les gars. C'est ce que je fais. Grosse tempête, capitaine! Ah! Le manoir! Gardez les cacatois et les huniers! Serrez les voiles! Jurez! Gardez la grand voile! Allez, du nez! Vite, je vais me faire spotter! Larguez les volets! Oh, cette maîtrise! Oh, cette maîtrise! Pas juste à côté de lui en plus. Ah, je suis trop fort. Ah, je suis trop fort. Pour passer entre les trucs, je suis très doué, vous savez. Le navire est un vrai monstre. Regardez un peu sa taille. Aïe. On ne fera pas long feu face à lui. Tu m'entends, Kenway? Reste à distance. Il attaquera. La fortune nous tendra la main. Quand la nuit sera tombée. On va, hop. Ouais, ça se pourrait bien. J'avais pas vu que c'était sa zone de regard à ce bâtard. Donc on va pas aller trop proche de lui. Parce que sinon, il va nous spotter et on va avoir l'air bien con. Regardez sa vision, regardez sur la minimap là. C'est hallucinant à quel point il a...
pas une vision de ouf. Hein. Ralentir. Ça va être très chaud. Mais bon. La récompense n'en sera que plus grande pour notre petit The Kid. Et pour les défenses de Nassau. Ah, la mer est agitée aujourd'hui. Très très agitée. Wow, fuck! Non, gauche, 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 S, gauche, 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 gauche. Non, droite, 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 droite. Bien en place! Bon, c'est pas pris! Des Espagnols! Il a l'air d'être tout seul! Merde! Il va me spotter! Ah, le bâtard, il va me spotter! Non! Je ne dois pas être vu! Allez! S'il te plaît! Non, merde. Aïe aïe aïe. Maintenant cette problématique c'est que maintenant je vais me faire canarder. Oh putain c'est pas du petit en plus. Casse-toi! Et ne reviens jamais! Pas grave s'il fait feu! Tant qu'on est proche du manoir, c'est bon. Bah, c'est pas réellement le manoir, mais c'est un bateau type manoir quoi. Vraiment, on les a semés, c'est déjà pas mal. Ouf! On les a semés! Ouf! Bon, je suppose qu'on va aller sur cette petite île là-bas au loin. Attention, son regard commence à dévier. Non, ça va là, on est bon, on est bon. Voilà. Le rascal qui n'a peur de rien. Un vieil ami à toi? Plutôt une vieille connaissance. Je dois dire, la vie que s'y meurt depuis si longtemps que j'ai fini par le respecter. Putain, je suis en plein dans la zone du mortier. Fais chier. Oh là là là, tourne, tourne, tourne. Allez, on va suivre. Putain, des mortiers dans un bateau, quoi. Oh fuck! J'avais zappé ça! On doit pas gérer les mortiers en même temps. Ah putain, fuck! Fuck la police! Fuck me! Vous voulez finir à la flotte? Ouais, non, on va pas finir à la flotte, regardez. On est en train de bien les péter là. Oh!
Et cool, et cool. Tel un Mamadou Chaco. Et boum. Facile. Trop facile. Il coupe mouillant. Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Une place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier ? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Bon. Attendez, déjà il y a plein de trucs à aller choper là-bas. On va aller récupérer les restes. Ah, la mer n'est pas douce aujourd'hui, hein. Oh, des barils explosifs. C'est cool ça. Allez, rendons-nous à notre destination. Et on va voir ce Julien. Pas de Julian. Julien, je sais plus. Julien Ducasse. Allez! T'as mine de rien, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire sur PC pour pouvoir faire jouer les canons en fait. Parce que vu que j'ai pas joué à C3 sur PC, je ne saurais même pas dire comment est-ce qu'ils ont fait pour aller. Le maniement du bateau. Oups. Yeah, on a récupéré du tissu! Allez, on avance, Moussaillon! Plus vite! Ouais, gros rocher! Caca-doigt! Caca! Ça fait prout! Allez! On va y arriver très vite! Enfin, je l'espère! J'espère qu'on a un peu d'action avant que j'arrête la vidéo, parce que vu que YouTube merde pas mal en ce moment, je vais éviter de faire des vidéos trop longues pour que je puisse arriver à temps, quoi. Un homme à la mer! On le laisse mourir? Non, on va le sauver quand même. Ah, ça va parce que mon équipage est déjà énorme, quoi. Donc, il faut contourner le bestio. En fait, je crois que c'est ADAC ou est-ce que j'ai le moins utilisé ma map? Je sais pas pourquoi. Parce que je peux appuyer sur Select là par exemple, mais. Voilà quoi. J'aurais dit que t'es bien affiché sur la mini-map, donc pas besoin d'utiliser la grande map. Sauf peut-être pour les cadeaux trésors, pour pouvoir retrouver l'endroit justement où se cachait. Oh putain, y'a une tornade qui arrive. On arrive plus là. Tant mieux! Allez, chantez pour moi, baby cheese! Chantez! Ah, j'en ai 10 quand même. Pas mal. Ah, zone interdite encore une fois. Oh ouais. Moi aussi, j'aime Nolwenn. Non, je déconne. She was fat away. Je suis blasé, blasé. J'aurai jamais mon or. Headbanging, yeah. Allez, charge. Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective.
L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tape du pied et crie « Aïe !» Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Ah, là on va tomber sur un truc sympa. On va enfin faire de la grimpette. Parce que là il serait peut-être temps. Hein. Oh là, quelle maîtrise. Quelle maîtrise, quel homme. Avec sa cagoule. Mets ta cagoule, mets ta cagoule. On va aller par là. Allez, plus vite. Monte. Un fragment, je m'en fous. Je m'en contrefous du fragment. Moi, je veux jouer. C'est ce que je veux faire, c'est jouer. Et jure. Master Boulet. Master of Boulet. Alors, on va encore plus. Bon, c'est pas grave, on va oublier le coffre. On va avancer. Oh, quel swag quand même. Ça perturbera toujours qu'un mec comme lui ait toutes les techniques d'assassin, quoi. Je vais croire que c'est un pirate ou ce que vous voulez, mais. Ah, je sais pas, le fait que ce soit un assassin, ça passe moins. Enfin, que ce soit pas. Ah, je sais pas, je trouve que ça passe pas. Elle vient de battre! Merci messieurs! Ta gueule, ton Alto. Je m'appelle pas Altaïr, t'as compris? Hop, hop. Je disais, excuse-moi, j'ai passé. Faut m'excuser, monsieur, j'ai juste une envie de meurtre. Allez. On fonce. Ouais, vas-y. Oh, regardez cette vue. Cette vue. Magnifique, hein. Oh là là. Cette vue. Bon, allez, on y va. Le mec. Allez, on va profiter de la vie. Ah non, finalement, on se casse. Allez, hop. Excellent. Excellentissimo. Alors, moi sur quoi ici? Ah ouais, lance-moi une grenade. Ah ouais, magnifique grenade. Couché. Couché. T'as cru au Père Noël. Voilà. Coup de tête dans ta gueule, t'as rien compris. Ah merde. Aïe.
Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh, oh. Voilà. Bon. Ah oui, tu recules, hein. Ah, le bâtard. Fais-moi le fier, hein. Salut! Je suis jamais contre pour jouer à cache-cache avec les gens. Il va me caver. Merde, comment je fais pour. Vous savez quoi? On l'ignore et basta. Pas besoin de se faire chier avec un mec comme ça. Hop, voilà, il me voit plus. Et on continue. De toute façon, faut pas tuer tout le monde pour avancer. Quoi? Voilà, c'est ça que j'aime voir. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Allez, cogne. Oui, je fais pas infiltration, et alors? Problème? Salut. Ah d'accord, t'es comme ça toi. D'accord. L'œuf. On va recharger les flingues vite fait. Oh mon dieu. Ma cagoule est là un peu ensanglantée. J'ai un peu de la du sang un peu partout sur la gueule aussi accessoirement. Insistons bien sur le fait que ce soit accessoire. Oh c'est tôt. Ah c'est bon, toutes les eaux du monde pouvaient ressembler à ça. On va vite se dépêcher parce que là je sens que... Putain, mais monte! Allez, on va se le faire, le petit vieux du casse là. Bon, je sais pas par où je peux aller pour pouvoir monter. Par là. Non, il n'y a pas envie. Ah, là, il y a une case. Remplissez-vous la porte! Vous ne reverrez pas la terre de sitôt! Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin! Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Boucanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous! Thank you.
Ouais, je suis trop blasé. Ouais, je suis trop blasé. Ouais, blasé. J'adore être blasé. Ouais. Ah là là. Hey. J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passé te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux, parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh. Bonjour. Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Eh ben non, on va s'arrêter ici, Loulou. Oui, je sais, c'est court, mais bon. Enfin, 46 minutes, c'est pas court, hein, vous me direz. Mais malheureusement, avec YouTube, voilà, vaut mieux prévoir le coup. Allez, sur ce, Loulou, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai joué bien bourrin, comme je l'aime, avec mes lames, mes pistoleros. Bref, ah, il va y avoir du sang, de la chica du molar à la fin, je le sens. Allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin du cadrol, n'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude, comme d'habitude, j'ai trouvé pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, c'est le dicton, je vous laisse, je vous fais plein pour tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, et peace.